Le maire du Lamentin récompensait les élèves de CM2 de la commune sur des thèmes choisis, la coopération, la citoyenneté et l'excellence. Toutes les classes des écoles primaires et élémentaires de la commune concourent dans 5 disciplines. En fait, les élèves, ils attendent chaque année, les classes de CM2 attendent ce projet, puisque c'est un projet qui existait déjà sous un autre nom, donc on l'a amélioré. Nous avons changé un petit peu le concept. Maintenant, tout se passe sur le temps scolaire. On a revu un peu le concept pour favoriser la coopération entre élèves. Donc, c'est pour cela qu'ils concourent par équipe de 5 ou 6 élèves. Donc, ça favorise un petit peu l'entraide. Le concours comptait des épreuves de maths, de français, ainsi que des épreuves sportives. Ça fait que les enfants partagent entre eux, ça mélange au niveau des écoles, l'ensemble des établissements scolaires de la ville. Donc il y a un échange qui se fait, puisque les enfants ne sont pas forcément dans leur classe. Donc ce qui permet d'avoir un échange et une motivation, qui permet aussi de valoriser l'enfant, puisque peut-être qu'il y a certains qui ont une faiblesse, peut-être dans les matières, on dirait classiques, maths, géo, et peut-être qu'en EPS, l'enfant excelle, donc ça permet aussi de mettre en valeur et d'avoir confiance en lui pour l'ensemble des activités scolaires. Quoi. Les 200 élèves participants ont été récompensés ce mercredi par une projection privée du film Home de Yann Arthus-Bertrand, au Ciné-Théâtre du Lamentin.